Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et non pas, c'est merci Dieu. Et c'est avec un pile contentement, un pile la joie, une autre fois, moins rentrer la caille nous. Et je dis, c'est vendredi qui 14 et janvier, moins poté pour nous, une nouvelle vidéo d'information. Gouvernement dans le pays Saint-Domingue, qui gagne en tête Louis Abinadel, ensemble avec tous les leaders partis politiques, dans une grosse réunion, dans un gros oumblé qui a été gagné dans le palais national pays ça, il fait connaître que la République dominicaine n'a pas porté solution à problème pays d'Haïti. N'a pas retourné pour nous capable de faire un détail de gros réunion ça qui a été gagné dans le palais national pays Saint-Domingue. De l'autre côté, gagné ministre intérieur avec la police dans le pays Saint-Domingue, l'hypothé soutien, l'hypothé gros coup de chapeau à ce que yo déporté tout haïtien qui vivent illégal sous tes pays et Saint-Domingue là. N'a pas retourné pour nous capable porter détail de toute information ça ensemble avec l'autre, mais n'a profité occasion ça pour nous capable remercier tout un ami fanatique qui permet le travail que nous fait à lui possible, quel que soit à côté qui va suivre nous, et nous remercions, nous voyons gros et gros remerciements et pour vous-même, et vous-même qui fait croiser avec Chanel ça, et nous dit bienvenue. Et n'a profité invité pour capable faire partie de grande famille voilà Kailan pendant que vous abonnez avec nous, activez cette cloche là comme ça vous recevez notification chaque fois que nous publions information. N'a pas entré dans détail et nouvelles yo bourrique chargé pas campé, nous pour aller directement dans pays Mexique côté la police dans pays ça arrêté un groupe migrant qui était dans un camion. Et bien la police dans le pays Mexique, ils ont découvert plus passer 30 migrants et qui étaient sortis dans l'Amérique centrale. Et migrants ont été cachés dans un camion qui t'a allé aux États-Unis. Et bien c'est après le camion ça, il fait accident et dans l'État de la Cruz, et m'a dit qu'il était 11 janvier. Et bien camion qui t'a gagné 38 migrants là-dedans, parmi eux t'a gagné 8 mineurs, il fait collision dans un mi sur autoroute là. D'après Juan Almaldo Pérez, qui est un migrant et Guatemala, dit qu'il était passé 17 ans dans le camion. Il a quitté depuis dimanche, dans mi-temps la nuit. Et tellement il a gagné un pile de monde dans le camion, il n'a pas capable de respirer. Ti moun yo tap crié et yo te mandé pour yo te capable suspendre crier. D'après ça la police fait connait aucun migrant pas mouri et dans accident ça qui fait et qui fin gagner là. Nous songe semaine passée te gagne un gros accident qui te fait comme ça et non gros trailer et te gagne en pile monde qui te mouri en pile migrant dans tout pays qui te mouri dans accident qui te passé et dans pays Mexique côté gagné et tout monde qui a sauté tribord et babord qui a couru pour la misère et bien il a cherché rêve américain hein? Il pensait c'est l'arrivée aux États-Unis et bien la vie capable et mieux et n'a pas retourné dans information n'a pas retourné dans pays Saint-Domingue et j'en étais fort connu côté gouvernement pays Saint-Domingue ensemble avec tout leader parti politique yo yo te fait une grosse réunion dans palais national hier dans palais national et pays Saint-Domingue côté yo fait connaître que crise et sociopolitique qui a affecté pays d'Haïti et bien c'est pas la République dominicaine et qui parle pour des solutions et à crise ça. Eh bien, dans la réunion ça qui était faite plus passer 2 ans, il était gagné à la tête lui, président Luis Abinadel, et puis il était gagné représentant plus passer 30 organisations politiques. Eh bien, il a fait qu'on est, il a réitéré appel qui a été fait à la communauté internationale là. Côté, il a fait qu'on est que tout de mettre tête ensemble pour être capable de porter solution à problème pays d'Haïti. Il a réclamé pour la communauté internationale, là, spécialement les États-Unis, la France, Canada, et avec l'Union européenne, avec toute l'autre nation qui dit que c'est nation et démocratique et qui trouve que en Amérique là, pour être capable de mettre tête ensemble, pour être capable d'unir force, pour être capable de porter soutien, de collaboration à toute série de problèmes que le pays d'Haïti a confronté journée aujourd'hui, pour être capable de mettre tête ensemble, pour être capable de retirer Haïti côté lié là. Mais c'est pas la République dominicaine qui pourra le faire ça. Parce que déjà, il y a déjà un problème, yo. Et tout ça, c'est des gros déclarations qu'a fait Johnny Jodia. Et ça, c'est par rapport à comportement que haïtien, eux-mêmes, ils ont gagné.
Parce que le pays d'Haïti, c'est un gros pays. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui a une grosse richesse là-dedans. C'est la raison pour laquelle il y a un pile pays qui a boumé pour être capable de prendre le pays d'Haïti. Il y a des Haïtiens, c'est des petits esclaves et mentales dans le pays d'Haïti. Il y a des cobs, et puis pour être capable de faire toujours des manifestations, il n'y a pas capable de mettre tête ensemble pour le pays capable de développer. Toujours nous essayons de boumer dans le pays d'Haïti, et ça fait la République dominicaine. Gen en pile dominique, il faut comprendre, ça fait au plus pas Pavlo Haïti, c'est parce que les a imaginé, il était passé plus passé 22 ans que Haïti t'a gouverné et les a regardé état nous journée je dis comment le fait possible, est-ce que c'est vrai que moun sa que n'a regardé là qu'a fait tête qu'a joué dans terre et dans l'autre partie île là, est-ce que c'est vrai moun sa yo était occupé? Et mais ça c'est un honte dominicain lui-même lui ouais, ça c'est pour un honte pour lui qui fait journée je dis ah ouais yo mettez y a essayé mettez l'ordre dans pays yo y a barre tout côté hein y a barre tout côté tout pour pas quitter au brising même c'est par le fait que gens que n'a comporté nous et dans pays et dans pays d'Haïti parce que nous pas capable mettre nous ensemble nous pas capable unir tête nous pour nous capable même Jean Saint-Domingue mettre tête lui ensemble Saint-Domingue te gagne plus problème parce que ça que n'a confronté journée je dis mais à un moment donné yo mettait tête ensemble dit non pays c'est pour nous que les mêmes liés nous pas un pays de réchange en travail pour nous capable faire pays nous avancer et ben tout temps que haïtien yo pas mettait tête ensemble pour nous capable développer pays a et ben et à l'étranger international la pas jamais ouais nous bien et international les mêmes c'est joué à jouer ensemble avec nous y a joué ensemble avec ti esclaves ti zombies que nous gagnons en Haïti, parce que les politiciens en Haïti ont zombifié le peuple. Ça fait tout ça qui a passé, tout mauvais bagage, ouais, tout le peuple a été chita, ils n'ont pas dit rien, parce que le peuple a zombifié. C'est même gens tout, politiciens en Haïti, même ils zombifié, ouais, international lui-même, il fait ça, il voulait, ensemble avec les politiciens en Haïti, il fait, il fait toute qualité bagaille. Eh bien, la République dominicaine, il fait connaître lui-même, il n'est pas capable de porter fado ça, fado pays d'Haïti, li même yo pas capable pour til c'est communauté internationale là yo même qui pour dégager coup mettre Jean-Jacques pour yo capable vinn faire ça que y a fait et pour pays d'Haïti a gagné ministre intérieur avec police et dans pays Saint-Domingue li même li fait connaître que li pote soutien li d'accord à ce que yo déporté tout haïtien et en République dominicaine. Eh bien c'est Jesus Basque Martinez lui-même qui montrait que lui-même lui d'accord et ça c'est et mercredi ah oui nous connaît mercredi et Luis Abinader lui-même il était bailli yo interview et mercredi matin et puis c'est tout de suite que lui-même il était fait et déclaration ça et mercredi parce que Luis Abinader il était fait ça parce que il était demandé et pour être capable et déporter tout haïtien lui demandé lui bail soutien à ce que yo fait ça pas oublier que Chou Basque c'est lui-même qui président et nous connaissons un conseil d'immigration dans le pays Saint-Domingue. Et bien, Chou Basque, c'est lui-même qui président conseil d'immigration dans le pays Saint-Domingue. Et là, nous avons dit un bagage, c'est ça que nous-mêmes, nous prenons. Parce que nous avons même, nous avons et haïtien bien. Eh bien, le fait qu'on est, que lui-même dit d'accord pour capable déporter tout haïtien qui est illégal dans le pays Saint-Domingue. Il dit, c'est la loi que y a, la loi immigration qui a fait compli. La loi immigration. Et bien, Chou Basque lui-même lui affirmé que tout pays, yo même yo doit gagner contrôle à territoire et que tout pays, yo même yo c'est moun yo vle pour capable rentrer dans pays yo, c'est les mêmes pour capable quitter et rentrer. C'est ça que lui même c'est ça que fonctionnaire lui-même lui fait et connaît. Et bien, c'était un réel plaisir et pour nous être capable ensemble avant pour nous être capable présenter information ça yo, n'a pas rencontré dans l'autre vidéo pour nous capable continuer informer.